Le projet d'appui à la transformation agroalimentaire des PME-PMI a été lancé le mardi 6 septembre dans la commune de Tukuntuna. Au Bénin, la commune de Tukuntuna est la première commune qui bénéficie de ce projet. Le projet est subventionné à hauteur de 73% par l'Organisation internationale de la francophonie avec les contributions de la CCI Bénin et la mairie de Tukuntuna qui en sont les moteurs. Je félicite les structures bénéficiaires de ce financement d'un montant de 22 millions dont plus de 73% financés par l'OIF et le reste réparti entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la mairie de Tukuntuna. Nous devons ce financement à l'engagement du maire de Tukuntuna et les membres du conseil communal pour avoir compris le rôle économique primordial des PME-PMI dans la contribution aux actions du développement local. La commune de Tukuntuna a une économie essentiellement agricole, avec une dominance de culture vivrière. Donc, depuis quelque temps, on a constaté des initiatives de transformation de produits agroalimentaires portées en majorité par les femmes que vous voyez parmi nous aujourd'hui. Donc, pour encourager ces initiatives, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a imaginé ce projet qui rentre dans le cadre des objectifs de développement durable et porté son choix sur la commune de Tukuntuna. Le choix de la commune de Tukuntuna pour le développement des activités du projet n'est pas fortuit. En effet, classée au rang des communes à statut ordinaire, la commune de Tukuntuna regorge d'énormes potentialités insuffisamment valorisées et exploitées qui, au travers d'interventions stratégiques et soutenues par l'ensemble des parties prenantes, permettront de faire rayonner la commune, mais aussi de dynamiser le tissu entrepreneurial local. Cela permettra aussi d'accroître la productivité des secteurs d'activité et par ricochet les ressources économiques de la commune, au fin de gravir les échelons et atteindre le statut des communes intermédiaires et plus tard, statut particulier. La première autorité de la commune de Tukuntuna revient sur les objectifs du projet et s'engage à conduire à bon port la mise en œuvre de ce projet en adéquation avec les objectifs de développement de la commune. Le projet qui nous rassemble ce jour a pour objectif renforcer les capacités techniques et matérielles des petites entreprises de transformation agroalimentaire et d'améliorer l'accès de ces petites entreprises de transformation agroalimentaire au marché et à un réseau de PME, PMI établi. Ma gratitude va spécialement à monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et à l'administration consulaire pour l'initiative spéciale et certainement la première d'une série que je souhaite pour la commune en vue de la concrétisation et de la consolidation de la mission de développement des territoires. Je voudrais rassurer la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ainsi que le partenaire OIF que le projet dont nous procédons au lancement ce jour est bien en adéquation avec les objectifs de développement de la commune. Et m'engager au nom de tous les acteurs impliqués à tirer le meilleur profit de son exécution. D'un montant global de 22 498 056 francs CFA, ce projet permettra un véritable accompagnement des petites entreprises de transformation agroalimentaire de la commune de Tukuntuna. La CCI Bénin prévoit à terme déployer ce projet dans toutes les régions économiques du Bénin.